Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Oh, ça me dégoûte! Oh, ça me dégoûte! Non, mais c'est quoi le délire sur YouTube en ce moment? ASMR! Ne vous inquiétez pas, je ferai pas ce genre de vidéo. Bref. Bien quoi, la mif, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous tourner une vidéo sur les papas. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, écoute, t'as fait une vidéo sur les mamans, pourquoi tu fais pas sur les papas? T'as jamais montré ton père, patati patata. Je ne vais pas montrer mon père, bien évidemment. Mais je vais faire la vidéo sur les papas. Comme d'habitude, je vais rentrer dans la peau du personnage, t'as capté ou pas? Mais juste avant, grosse dédicace à Anna de Nancy, Nathan de Souza de Châteauroux, Boabou de Bagdad de Béjaïa, Tim DZ, Farah de Corbeil-Essonne, et pour finir, Abdoulaye Kané du Sénégal. On ensemble. Alors les darons, je sais pas si nous on sera comme ça plus tard. Je suis sûr des trucs que je vais récupérer de mon daron. Mais c'est des phénomènes. Tu fais quoi là? C'est pas ton problème, c'est mon armoire, c'est pas ton armoire. Hey, papa, c'est quand mon anniversaire? Ton anniversaire, je pense, fin août. Oh là là. Je suis pas un médium. T'es devant ton âge? J'ai quel âge? T'es un petit crevette, je te donne 4 ans. Oh le massacre, mais t'es sérieux, tu connais pas notre âge? Wesh, ça va loin là, t'es notre père ou t'es pas notre père? Moi je comprends pas. Et t'as pas 4 ans? Et t'as quel âge? 40 ans? C'est grave. Attends. Je suis en quelle classe. Là, tu sais, je t'ai montré mon carnet de correspondance. Je comprends pas, je sais pas moi. Ah, non, mais je pense 5e et demi. 5e? J'abandonne. Mais tu vis avec nous? Quand t'étais un petit caca comme ça, c'est moi, je te change les couches pleines de caca et je jette dans la poubelle. Ok? Donc c'est grâce à moi, t'es ici, tu dors ici, tu pètes ici, tu fais tout ici. Mais ne m'énerve pas, ne m'énerve pas. Eh, non, mais il est hors champ, ça y est, il est déconnecté. Tu demandes ta date de naissance, il sait pas. Tu demandes ton âge, encore moins. Déconnecté. Après, je pense ça, c'est vraiment un truc de daron. D'arriver à un certain âge, ça y est. Il filtre. Il y a des informations qui restent pas dans le cerveau. Ma mère, elle est maniaque. Mon père aussi, il est maniaque. Mais une autre façon, un autre délire, high level. Ah, je suis fatigué. Ben, je suis fatigué. Télécommande est par terre. Fad, viens. Quoi? Télécommande est par terre. Ramasse les télécommandes. Je m'appelle juste pour ça. Oui, je t'appelle que pour les télécommandes. Moi, j'ai sous ton pied, collé à ton pied. Ramasse, tu fais voilà. Ça, tu vois. On est de quel? Tu dis quand ton père il t'appelle, tu viens. Écoute-moi. Les mouchoirs par terre, la bobine par terre. Fad, viens. Ouais, j'arrive, toi. Je suis en train de travailler. Pourquoi tu me montres ça? Oui, je te montre. Regarde, c'est quoi ça? Ouais. Tu veux pas le ramasser? T'es obligé de me le montrer? Et ramasse. Je suis en train de travailler, tu me déranges juste pour venir le ramasser. Oui, je t'appelle que pour ça. Voilà. Pour le char, le connard. Ok, d'accord. Tu ramasses. De pire en pire, l'esclave de la maison. Oh, mais quel. Comme des esclaves. Mal éduqué. T'es mal éduqué, arabe. Là, c'est pas moi, j'ai renversé l'eau. Allez, quoi? C'est qui a renversé l'eau? C'est peut-être toi que t'es en train de boire de l'eau. T'accuses ton père? Je suis choqué, vraiment éduqué comme de la merde. Arabe de merde. Tiens, essuie. Wow, tu m'appelles pour des vieux trucs. Allez, dégage. Ouais. Dégage. Il renverse après. Il dit c'est moi. L'eau, t'as renversé encore. Viens ici. Interfait, t'es où? Viens, j'ai besoin de toi. Viens tout de suite. Voilà, je t'attends. Venez lequel? Pourquoi tu m'as appelé? Moi les AC. Tu m'as appelé juste pour que je te fasse des AC? Oui, je t'appelle juste pour ça. Voilà. Bon là ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu m'appelles juste pour. Mais pourquoi t'as pris des crampes? Parce que je vais jouer au foot. Je vais jouer au football. Voilà, tu fais de la dégoût. C'était une dinguerie. Il y avait un mouchoir en bas de ses pieds. Il nous appelait. On était dans la chambre en train de dormir pour venir le ramasser. Après, il te dit, moi, quand j'étais petit, mon père, il me faisait ça. Quand j'avais des mauvaises notes. Ok, j'avais ma mère qui radotait pendant des heures et des heures. C'est encore ça va. J'étais matrixé, je prenais l'habitude. Mais le daron, c'était pas la parole, c'était plus les mains. Bulletin, cholestéral, 5 en maths, 7 sciences, 4 en français, Amélie, en France. Mauvaise note? Oui, va le voir. Moi, ça y est, je peux plus. J'en ai marre. Tu massacres le, fais qu'est-ce que tu veux? Mais oh le connard, t'es travaillé? Mais ramasse, je te jure. Parce que moi, là, je te fais l'école et tu travailles pas. Ta mère, elle m'a dit, tu travailles pas. T'es bête, t'es massacre bête. Encore, tais-toi. Dans ta game. Voilà, tais-toi. Vitesse. Ah non mais je me suis fait défoncer, laisse tomber. Ma mère elle me couvrait mais elle lançait des pics quand même pour que le daron il crame mais sans trop cramer. Mais attendez, je vais vous raconter une anecdote. Bon, c'était au collège, hein, j'étais petit, me jugez pas. Bien sûr, ne refaites jamais ça. Vous avez vu quand vous avez des heures de colle, vous devez montrer ça à vos parents pour qu'ils signent. Moi j'avais tellement chaud que je montrais plus. C'est-à-dire qu'au début j'avais eu une heure de colle et tout, je me suis fait boxer. Après je montrais plus, j'ai dit vas-y laisse tomber, je suis un thug, je signe à leur place. Comme ça au moins tout le monde est content. Je me suis fait cramer par le CPE. Je sais pas comment il a cramé et tout, bref, c'était un vicelard celui-là. Et il a convoqué ma mère. Ok, ma mère speech, elle m'a saoulé. Après elle a dit à mon père, je me suis fait boxer. Ah mais laisse tomber. Pire jour de ma vie. Ah, j'étais collé toute l'année. J'ai rattrapé toutes mes heures de colle. Il y en avait 25. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, vous, si vous avez déjà vécu des trucs comme ça. À cause des heures de colle ou à cause des croix. Quand mes parents, ils se disputaient. Des enfants. C'est lui, il a mangé la moitié. J'ai fait des crêpes comme ça, il a mangé. Il mange, il s'assoit. Je lui déteste. Il t'a jugé devant la télé. Ni il fait des courses. Ni il achète à manger. Ni il fait à manger. Toute la journée. Elle parle. Je lui déteste. Les oiseaux là qui pleurent toute la journée.
de l'à côté. C'est de la merde. Inutile. Et puis je sers à rien. Oui, tu sers à rien. Tu nous appelles pour qu'on ramasse la télécommande alors qu'elle est là. Je suis ton père, tu dis t'es sers à rien. Et toi t'es sers à quoi? C'est grâce à moi t'es ici. Moi je t'ai fait caca, après je t'ai posé à côté de moi et t'es assis comme une poubelle à côté de moi. Ouais, j'ai ramené une statue chez moi. Voilà. Déjà dégage, t'es comme ta mère. De la merde. D'accord. Dégage. Ouais, ouais, salut. Dégage. Tu sers à rien. Voilà, je suis tout seul. C'est moi, je suis pas bien. Pars d'ici, reste pas avec moi, tu dégages. Quel... Il sait même pas qu'est-ce que je fais dans ma vie, il sait même pas qu'est-ce que les enfants font dans leur vie, rien du tout. Non, mais c'était du jeu de choc. Mon père égyptien, ma mère algérienne, mais laisse tomber. Cocktail Molotov. Ils sortaient de ces trucs. Un film. Après ça, c'est vraiment spécifique aux darons. Elles ont cette particularité de radoter, de radoter, de radoter 150 fois. Alors là, beaucoup m'ont posé cette question, que ce soit en France ou en Algérie. Comment t'as fait lors du match Algérie-Égypte? Aboutrika 0-0. L'Egypte il va gagner. Merci. 1, 2, 3. Vive la gilet. 1, 2, 3. Vive la gilet. 1, 2, 3. Attends. Comment est-ce que viens voir, vite. Attends. Mikini, vas-y, cours. Oui, dégage. T'es nul, l'Egypte, t'es nul. Voilà, 1-0 pour la Algérie. Ouais. 1-0, dégage. T'es un traître. Vive l'Algérie. 1-2-3. Vive l'Algérie. 1-2-3. L'Egypte l'a perdu, voilà. L'Algérie, elle va me faire mal à la tête toute ma vie. Vive l'Algérie. Hey, il est parti dormir. Dégage, reste pas avec moi. Dégage, tu parles pas avec moi. Voilà. Tunard. Viva la Gire. Viva la Gire. Now, watch the chair. Viva la Gire. Vous êtes que des caca. Des caca bourrés. Mais c'était la guérilla, vous savez que jusqu'à maintenant on pose la question. Mais moi franchement j'étais plus proche de l'Algérie que de l'Egypte. Pourquoi j'étais plus proche de l'Algérie? Parce que c'est là-bas que j'ai un peu plus grandi, que j'allais plus souvent. En Egypte j'y allais pas souvent. Mais ouais, ouais, c'était chaud. Alors ce que vous allez voir juste après, je pense que tout le continent africain il va être d'accord avec moi. Ils sont tous comme ça. Regarde la télé, on peut rien voir. Toute la journée, tout ça. BFM. Moi, j'aime que BFM. BFM TV. Voilà. Non, je donne pas le télécommande. Non, mais papa, t'as vu, je peux pas regarder. Il y a ma série là, j'ai envie de regarder. Dégage. Là, je regarde BFM. Moi, je suis toute la journée sur BFM. Tu sais même pas de quoi ça parle. Ça parle des les Johnny Hallyday, les Vivons. Voilà. Johnny Hallyday, qu'est-ce que tu me racontes? Voilà, tu dis n'importe quoi. Tu rigoles pas sur moi, ok? Bon, quand j'étais un petit bébé comme ça, ouais, okay, j'ai pas de télévision. Je prends des livres, des journaux. T'as même pas de voilà, des journaux, je regarde. Vas-y, je regarde Zini, je cultive la culture, hein, l'agriculture et tout. T'es bête, t'es va mourir bête, toi. Dégage, mais quel? Ça, c'est des arabes. Des caca, de la poubelle, des racailles. Quoi, la télé? Mais nos darons, c'est les meilleurs clients. Déjà, il leur faut la dernière télé. Pour qu'en plus, après, toute la journée, ils regardent 2 minutes, tout le reste du temps. Par contre, tu peux pas changer. Interdiction. Je sais, c'est un peu cliché. C'est la vérité. Donc voilà, là, vous avez tout sur moi. Daron égyptien, daron algérien. Deux cultures totalement différentes. Ouais, franchement, c'est différent. Que ce soit déjà l'arabe, pas le même arabe, mais la culture aussi. Enfin bref, voilà la mue, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si t'as kiffé, dis-le moi en commentaire. Il y a un truc que j'aimerais savoir sur vous. Dites-moi si vos parents, ils sont d'origine différente, comme moi. Ah oui, c'est qui vous défonce le plus, votre père ou votre mère? Moi c'était ma mère quand même, hein. Plus ma mère. Parce que c'est ma mère qui voyait tout ce qu'on faisait. Et pour finir, mettez un pouce bleu si vous avez kiffé. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ciao.